Ah, je devrais faire ma petite tournée. Tournée pour le facteur. Truc. Alors, oh, bonjour Brandibou. Ah, facteur est là? J'ai une lettre pour Franklin et Simba. Et pour vous aussi, grand Schtroumpf. Et aussi, petit dinosaure violet. C'est vrai? Non, parce que je vais te faire chier. Non, c'est pas possible. Franklin, Simba et grand Schtroumpf sont invités pour voir la finale du défi extrême. Voilà votre invitation. Ah, de toute façon, ils me connaissent bien. Ah oui, mais c'est vrai qu'on devrait aller à la finale. Oui, c'est pour la finale du défi extrême. Maintenant, je vais devoir donner maintenant l'invitation à Mickey. Passez une bonne journée. C'est vrai que Mickey a participé. Mais au moins, il a été éliminé le premier. C'est vrai. Mickey est éliminé le premier. Ridicule, de toute façon. Et puis, il a été banni. De toute façon, c'est bien fait pour sa gueule! Ah, putain, moi j'ai encore mal aux fesses! Ah, c'est quoi cette douleur de... Vous avez vraiment pété un câble, c'est pas possible! Je suis sûr que ce gâteau, c'est même pas mes maîtres Genseed qui me l'a fait! Je suis sûr que c'est encore un coup de ce Spider Mooney de mes deux couilles! Ah, c'est pas possible, ça! Ah, le facteur est là! Tu as encore donné un cadeau empoisonné, c'est ça? Si c'est encore un coup de Spider Mooney, attention! J'ai une invitation quand même pour toi, Mickey, parce que tu as participé au défi extrême. Tiens, voilà une invitation! Quoi? Alors pourtant que je suis banni? Ah, c'est parce que tu avais participé, alors ils veulent bien te faire ça. Ok. De toute façon, je suis obligé. Ah, t'as pas le choix. Alors juste pour la finaliste et après, tu ne reviendras plus jamais. Je sais. Alors, passez une bonne journée, Brandibou. Vous devriez être content, patron. Vous y retournez. Néanmoins, ce serait pour vous si jamais je vois Panthère Rose. Je pense que j'ai encore mes comptes à régler. De toute façon, ça regarde que moi et lui. Faut croire que je peux y retourner. C'est pas plus mal en fin de compte. Mais fais pas trop de folie, sinon ça va mal aller. Vous voulez pas que ça vous engendre la situation, n'est-ce pas, maître? De toute façon, j'ai rien à faire. Faut bien. Je pense que je vais y aller quand même. Ah, j'ai hâte de revoir Ishika. Vraiment, est-ce que t'en penses vraiment pour elle? Allez, Franklin, tu peux au moins lui faire un bisou. Oh, sérieusement? Je la connais un peu, mais pas assez. Vous allez pas me faire une chose pareille, non? Alors, moi, j'ai sorti avec Petit Phoque. J'ai fait ça de façon beaucoup plus rapide que toi, notamment parce que je l'ai sauvé des griffes de la Team Aqua. Et toi, bah, en seulement plus de 20 saisons, t'as jamais de copine, et en plus de cela, maintenant, tu commences à bégayer. Tu devrais prendre exemple sur moi, Franklin. C'est vrai, mais... Here we go! Mario et Luigi? Mario et Luigi. Oh, les stars Mario et Luigi! Comment ça va? Salut à vous! Yego! Excusez-nous de faire un peu une interruption, mais... Il y a même un moment qu'on n'est pas revenu à l'île des héros. Comment ça va, Franklin, Simba et Grand Schtroumpf? Écoute, tout va très bien. On va pour un défi extrême. Attendez! J'ai entendu parler d'un défi extrême? Oh, j'y connais un peu dans les défis extrêmes, j'ai déjà entendu parler. Mais on n'a jamais participé! Bah en fait, c'est une espèce de... On fait des grandes séries d'épreuves auxquelles on veut devenir premier afin d'empocher $1 million.
Wow, ça c'est vraiment beaucoup ça. Wow, ça a l'air vraiment fascinant. Mais... Et donc, on a des invitations, alors vu qu'on a été... Moi j'étais participant, moi aussi j'étais participant. Et moi, ben, je suis présentateur du contre-chaque show. Ah, c'est cool. C'est quoi le contre-chaque show? J'expliquerai ça, peut-être. Mais du coup, c'est intéressant tout ça. On a... Bah, d'après la lettre, ça nous dit que... Qu'apparemment, bah... Y a Ren, Woody... Et Gloria? Oh, cool! Oh! Je pense peut-être que Gloria pourrait peut-être gagner. Oh, peut-être, ce sera peut-être Ren. C'est vrai que Ren, il a quand même de bons potentiels. Je comprends pas. Je connais pas vraiment ces noms, ça me dit rien du tout. Il faut aller à la région pour ça. Je connais rien de la région. C'est vrai, c'est un nouveau monde. Ça vient d'apparaître. Ça fait un moment quand même que ça existe. Ah bon, j'étais même pas au courant. Mario et Luigi, vous êtes là, vous êtes les stars quand même de les stars pour le moustachu, enfin les plombiers que tout le monde adore. Pourquoi pas, vous ne pourriez pas venir à la région? C'est vrai ça? Mais on n'est même pas invité. Comment vous allez faire ça? Au pire, si jamais il y a un petit souci, je pourrais essayer de dire que voilà, moi, Grand Chou, je vous ai invité. Vu que le génie me... Bah, il sait me respecter, qu'on se fait confiance l'un à l'autre. Le génie? Ça, c'est vraiment confus, je dois t'avouer. Mais y'a pas de soucis, voyons. Et si vous voulez, vous pouvez même me faire... vous pouvez même récompenser... Ren. Ren, ou alors Gloria, ou alors Woody. Vous pouvez au moins les récompenser, peut-être, je sais pas, peut-être le million, en disant que je vous fais pleinement confiance. Vous êtes deux personnes auxquelles on vous fait pleinement confiance. Ou alors, vous pouvez, je sais pas, trouver un autre cadeau ou quelque chose comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez, ça dépendra de comment ça va se passer. Ou alors, on pourrait essayer de faire amuser les spectateurs. Je sais pas, une espèce de tour, enfin, je sais pas, quelque chose pour amuser peut-être les spectateurs. Ah ouais, on pourrait faire ça aussi. Enfin, ça dépendra. Alors, vous venez? Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vraiment participé ou faire quoi que ce soit d'autre. Ce serait bien qu'on passe du bon temps ensemble. Dans ce cas, d'accord. Mario, Luigi, vous venez avec nous à la région. Yes. Bon bah, comme ça, on va faire plaisir à tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a au moins qui pourraient connaître Mario et Luigi. Qui connaît pas Mario et Luigi? Il faut vraiment ne pas être... Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Suivez-nous. On va vous guider le chemin. Here we go. Bienvenue au studio des défis extrêmes. Prends ma main, on va décoller. Et voilà les finalistes, ça va commencer. J'arrive pas à croire que je sois au final. Oh, et le moment est venu. Oh, pareil pour moi. Je me demande quel genre de récompense ils m'ont offert. Waouh. Gloria, je rappelle quand même qu'il s'agit pas de l'épreuve, mais cette fois du moment de vote. Alors franchement, j'ai hâte de savoir qui sera gagnant. Ouais, moi aussi. Waouh. Ruri, c'est quand la finale? Bah, on va commencer la finale que si tous les candidats, et ainsi que Magnona et Grand Schtroumpf, soient réunis. Ah bon? Ouais. Pour cet épisode-là, il faudrait que tout le monde soit réuni au moment parfait. Oh, ça a l'air franchement superbe. Mais cela dit, vous avez besoin de patience, parce que là, ça va être long. Parce qu'il y a certains candidats qui auront du retard. Allez savoir pourquoi. Wow. Oh, j'ai hâte de savoir qui sera le vainqueur. Oh, j'ai vraiment la patience. Oh, c'est... Wow. Oh, franchement, je suis à pêche pour savoir qui sera le vainqueur. Ben, tu m'as déjà dit, hein, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis contente de moi. Est-ce que j'ai pu réussir à aller aussi loin? Et je pourrais revoir Mario? C'est super! Waouh! Ça, vous pouvez vous le dire. C'est vraiment tellement génial! Fermez tous vos putains de gueules et patientez! Mais fermez tous vos gueules!
C'est le dernier épisode. Et après, il n'y aura pas d'eau de défi extrême pendant un moment. Je croyais qu'il y en ait un autre. Quoi? Ouais, et apparemment, il y en a un autre. Oh, chier. Pourquoi me laisse jamais tranquille? Mais pendant que j'y pense, Gloria, est-ce que tu voudrais participer? Pas vraiment. Parce que j'ai récompense ou pas, ça m'intéresse pas le prochain défi extrême. Je pense que j'ai assez d'émotions pour aujourd'hui, pour le moment. Ah, je peux le comprendre. Moi, je voudrais bien participer, même si j'aurais gagné. Moi. Ouais, espérons que Chum va pouvoir participer aussi. Ça, c'est clair. En fait, on a déjà des confirmations, donc... Quoi? En réalité, après la fin, je vais devoir annoncer qui sera l'élu des défis extrêmes. Ça va prendre un peu plus de... Ça va prendre après quand l'un d'entre vous aura la récompense. Hein. Et tous les candidats seront affirmés. Hein. Ils seront même envoyés par lettre. Ceux qui n'ont pas participé à l'émission. Hein? Ouais, en réalité, pour être sur le coup, vous allez recevoir la lettre de l'invitation pour le prochain défi extrême. Et rassurez-vous, Gloria et Mickey sont bannis. Tout en restant Mickey est un casse-couille. Quel souhait pourri ce mec. Tu sais que cette vanne était assez liale. Mamma mia, regarde-toi, t'es devenu un papier. Oh, mais toi aussi. Mamma mia. Pourquoi on n'a pas la forme de Peppa Mario? Bonne question. Oh, franchement, j'ai hâte de d'y retourner. Oh, alors ça doit être ça, la région. Waouh, mamma mia. C'est un peu plus ouvert et un peu plus riche que j'aurais jamais imaginé. Ouais. Bon, et en plus, il y a même d'autres régions auxquelles je n'avais jamais étudié, comme Verilix ou bien encore d'autres régions comme... Utopia, Victoria... Oh, franchement, j'ai adoré saigner un peu plus si j'aurais un peu plus de temps pour les régions de la région. Oh, franchement, tu pourrais même étudier les Pokémon ou bien encore d'autres aventuriers dans cette région. Ouais, c'est clair. On a quand même le studio à y aller. Oh, c'est vrai. J'ai si impatient de voir Mariona. Vous avez entendu ça? Oh! Mamma mia! Franklin! Mario, attention! Qu'est-ce que c'est que ce... Luigi! Qu'est-ce qui s'est passé? Gloria! C'est qui elle? C'est Gloria! L'hippopotamus! Oh, toi, ferme ta gueule, Franklin! Je croyais que t'avais menti à l'hameçon et je croyais que... Non, il me reste encore une trousse de secours. Ouais, normalement, je devrais pas être à la Luigio. Mais... Je remercierai jamais ce traître de Mickey ainsi de Flamiabot d'avoir utilisé lance-flamme sur moi et ça m'a attiré sur la Luigio. Flamiabot? Il a fallu que ce Flamiabot choisisse Mickey, ce sale traître. C'est toi la sale traîtresse, tu as voulu trahir Mickey, donc c'est ton problème. Ferme ta gueule, Franklin. Tu oses donner l'amour à moi, alors tu es franchement un homme. Les hommes n'ont pas besoin de donner des mots morales. Oh là là, mais cette femme est franchement irrespectueuse. Ta gueule, sale plombier moustachu de merde. Mamma mia, quelle grossièreté. Ah franchement, tu me manquais absolument pas. Tu veux que je te donne encore une autre correction? Franklin, Gloria, Mickey, sale traître. D'où tu me traites de traître? C'est toi la traîtresse. Laisse-moi deviner, Mickey. Tu veux aller à la studio pour régler le compte? J'étais obligé, tout simplement. Gloria, tu as perdu. Tu as complètement oublié. Tu es vaincu pour de bon. Tu t'es fait humilier pour de bon. Donc pourquoi tu continues tes plans? Tu n'as toujours pas oublié, tu as toujours oublié. Je veux venger cette patte qui a osé voler mon nom. Mon nom! Et en plus de cela, je vais me venger aussi de ceux qui ont osé m'humilier, moi, Gloria. Eh ben, sache que je vais tout faire pour ne t'en empêcher, hein. Parce que Franklin, moi, l'héros de toutes, eh ben, je vais te mordre la poussière comme Chubb et les autres t'ont fait.
parle pas trop vite, mon très cher tortue pourri. J'ai quelque chose à te dire. Maintenant, tu travailles pour moi. Et pourquoi, hein? Pour ça. Mon Franklin, ça va? Hey, y a que moi qui fais du mal à Franklin. Toi, tu n'as pas intérêt à faire du mal à qui que ce soit. C'est quoi ce délire? Mamma mia. Maintenant, Franklin est devenu Bad Franklin. Franklin, est-ce que c'est toi? C'est quoi ce délire? Grâce à un pistolet à roi magnifique, je l'ai fait transformer Franklin en le roi des Koopas. C'est maintenant sous le nom Franklin n'est plus Franklin. Il s'est évolué en Bowser Franklin ou Bowser Klein. Quoi? Non, Franklin, c'est moi. Tu me reconnais pas? Toi, t'as pas à dire ce que je dois faire, blanc bien moustachu. Après, quand j'aurai m'occupé de vous deux, je vais m'occuper de l'Idéro et le monde des Pokémon peluche sera mienne. Comment tu oses dire cela? C'est moi qui devrais conquérir l'Idéro, la ferme. Flamme quoi? Oh, mamma mia! Franklin, as-tu perdu l'esprit? Lance flamme! Oh, mamma mia! Mickey, pour avoir osé voler mon Flamiabot, tu vas subir ce que mon Flanklin va te subir. Bowserklin! Moi, qu'importe! Bowserklin, c'est tout! Tu t'appelles Bowserklin, si ça peut te faire plaisir! Je vais te transformer en figurine. De quoi tu... Non, non. Ah, tu feras partie de ma collection. Maintenant, on va vers le studio pour régler le compte à ces crétins. Qu'il en soit ainsi, maîtresse. Et grâce à cette seau, je vais pouvoir me servir pour battre contre ces gros connards. Surtout toi, Chop. Désolé du retard, est-ce que vous allez bien? Je suis désolé, mais c'est juste parce que Moustillon et Chop voulaient se brosser les dents et puis se laver les mains. Oh, vous êtes là, Chop. Ah, franchement, Ren, je te félicite d'être allé au final. Ah, franchement, je suis fier de toi. Ainsi que toi, Woody. Waouh. Et Gloria, tu m'as épaté. Ah, merci. Oui, franchement, je dois quand même vous dire que pour des débutants comme vous, vous m'avez épaté. Ouh. C'est quoi ce bruit? C'est moi, Obélix. Ouais, j'ai hâte de voir Goody Bowser et ensuite, le lionceau électrique. Tu penses à ça, c'est ça? Oui, j'aimerais bien aussi voir tous les candidats auxquels j'ai passé un bon moment, que ce soit Minako, Loulou, Bianco, Emily, Moustillon... Je suis là! Oh, Moustillon, faisant un câlin! Non, non, non. Oh, désolé. Ah, c'est pas grave. Est-ce que vous allez bien pendant ce temps? Désolé de mon retard. Moi, j'étais obligé de goinfrer parce que j'avais meurt de faim. Ah, Woody, tu es en finale. Bien joué. Waouh, waouh. Et moi? Et moi? Bien joué, vous deux. Toi aussi, Chica, tu es venu malgré tout. C'est pour revoir Franklin. Oh, tu es amoureux. Dis-moi, tu es amoureux. Mais est-ce que lui m'aime vraiment? Oh, tu es amoureux? Oui. Là, c'est la merde de l'amour. Oh, toi. Je croyais que tu voulais étudier, mais pas intéressé. Bien sûr que je me suis intéressé. Pour que je puisse régler vos comptes d'une bonne fois pour toutes. Oh merde, c'est vrai. Et vous êtes plusieurs et moi je suis tout seul. Et moi alors, vous avez oublié? Hein? Oh. Alors, désolé de mon retard, j'étais obligé de mettre beaucoup de gel hydratant dans mes mains. Bon. Gloria, est-ce que ça va? Ah, bien sûr que ça va. Ah, franchement, je suis fier de toi, Gloria. Tu es allée en finale et franchement, ça t'a fait comment d'être allée en finale? Franchement, je suis très contente.
Ah, je suis content. Et moi alors? Wouah wouah! Bien joué vous deux. Même si bon, on n'a pas beaucoup de... Eh, hey, tu te fiches de moi? J'étais dans la même équipe, tu te souviens? Ah oui, c'est vrai. Monsieur Mosquito, laisse tomber, va rejoindre les autres. Oh, ça voudrait dire que tous les membres sont presque en complet. Pas tout à fait exact. Il manque encore quelques candidats. Oh, c'est clair, on va pas encore commencer la finale. Oh, mais où est-ce qu'il est, Grange Trouve? Il devait être là à un moment d'un autre. Et les autres, tu as oublié Franklin Simba, hein? Et surtout ce souris pourri. Souris pourri. Je n'arrête pas de revoir la vidéo des moments les plus humiliants de Mickey le souris pourri. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, je sais pas, est-ce que c'est Mickey le magicien dont vous parlez ou l'autre Mickey de Michel Missier? Parce que là, je commence à perdre. Enferme! Je déteste souris pourri! Mais Mickey le magicien, c'est trop le meilleur! Il va tous vous donner le rebrelet! Moi? Je crois savoir que le fait qu'il ait nominé le premier candidat à être éliminé. Ta gueule! Tu vas voir de quel point je me sauve, Krunda de Mario! Oh! Fermez-la! Arrêtez de vous disputer, sinon je vous tabasse un par un! Dommage que Franklin a été éliminé à cause de moi! Oh, si j'étais parti plus tôt, il aurait pu continuer l'aventure! Ne dis pas ça, Ishika! Il a fait quand même ce qu'il fallait faire, il a fait ça par héros! C'est vrai! Ah, la plupart des candidats sont là! Alors bonjour tout le monde! Bonjour! Bonjour, 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 bonjour! Bon! Il ne reste plus que quelques candidats, et après on va pouvoir... Pshaou! Aïe! Oh! Ah, ma tête! Oh, mamma mia! Oh! Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est le vrai Mario? Mamma mia! T'es qui, toi? Oh! C'est le vrai Mario! C'est... Le vrai Mario! Le Mario! Personne vous rendait compte! Oh Mario, je suis ton plus grand fan! Oh, j'adore tes jeux vidéo! Je défends à tous ces crétins de fanboy de merde! Oh, oh, oh. J'ai aussi une petite copine qui s'appelle Colaria qui est beaucoup plus importante, mais ça fait un honneur de te rencontrer! Oh Mario, arrête, arrête! Oh. Mario, laisse-le tranquille! Oh, désolé. Oh, j'aurais jamais cru que tu sois vraiment 100% fan de moi! Ouais, j'ai toujours été en forme de Mario, pour être tout à fait honnête, je suis toujours Mario, mais te voir en chair et en os, franchement, ça m'a fait plaisir. Calme-toi, maman mia, calme-toi. Ouais. Mais en fait, comment ça se fait que tu t'es atterri? Maman mia, mon frère, Luigi. Luigi, pardon. Où est-ce que tu voulais en venir par là? Franklin, Simba, sans oublier le grand Schtroumpf, ils sont en grave danger, sans ton Franklin, mamma mia. Où est-ce que tu voulais en venir par là? Mais ouais, voilà. Gloria? Attends, je croyais que tu étais vaincu pour de bon après ce que j'ai vu dans l'épisode 19. Ouais, mais je suis de retour. Tu en as mais vraiment pas marre! Sérieusement! Tu voulais te venger contre ma petite amie juste parce que le fait qu'elle a un nom qui ressemble, elle a osé voler mon nom! Mon nom, je le sais très bien! Et tu en as vraiment pas marre? On t'a déjà réglé ton compte, donc tu peux laisser tomber! Ouais, tu vas pas ruiner la finale! Mais en plus, c'est ma première finale! Ouais, c'est clair! On a déjà donné la raclée, hein! Donc tu peux aller directement te faire mettre! Il est où, Franklin et les autres? Là! Oh, Simba, Luigi et Grand Schtroumpf se trouvent ici. Quoi? Mayona, calme-toi! Laisse papy tranquille! Ou sinon tu vas recevoir une attaque flamme enragée! Oh, et Mickey! Regarde ce qu'il est devenu! Quoi? Maître! Non! Ah. En plus, il ressemble à la souris pourrie! Ça la saute encore plus! Et cette fois, c'est pas coupable. Et dire que c'est moi qui dis que je suis le premier brisable de toutes. Oh, Franklin a eu l'honneur de partager avec ce figurine. Franklin? Mais Franklin ne ferait jamais telle chose. Oh, j'oubliais, c'est vrai. Ce n'est plus Franklin, mais Bowser Klein. Franklin? T'es arrivé? Mamma mia! Reprends ton esprit! Qu'est-ce que...
Ce n'est plus le plan clair auquel vous l'aurez jamais imaginé. Regarde, avec lui, il devient peuple parfait. Alors c'est vous les candidats qui ont participé à l'émission, hein? L'émission m'intéresse pas, sauf si c'est moi qui suis le présentateur. Franklin, qu'est-ce qui te prend de faire ça? Oh, aïe, aïe. Lance-flamme. Non, Riri, Franklin, qu'est-ce qui te prend de faire ça? T'es tous, t'es sourd, quoi? Je suis Bowser Klein. Je vais vous régler vos comptes. Très bien. Débarrasse de cette peste qui a osé voler mon eau. Quoi? Lance-flamme. Non. Mario, est-ce que ça va? Là, cette fois, tu dépasses les bornes. Tu as osé essayer de faire du mal à une fille, donc c'est impardonnable. Franklin, reprends ton esprit. Jamais. Une fois que je vois tous transformés en figurines, je vais conquérir le monde des Pokémon peluches. Par qui je vais commencer déjà? Ouais. Mario! Mamma mia! Non! Non, fais pas ça! Non, je peux pas participer au combat! Je suis désolé, Franklin, mais là, c'est pour une bonne cause! Close combat! Quoi? Non! Je suis désolé, mais c'est pourtant bien! Ta mamma bosse! Flamme croix! Non, non, fais pas ça, calme-toi. Ok, plaquage. Incroyable, il a réussi à soulever un Obélix. Donc là, je suis désolé, mais là, je vais devoir utiliser l'attaque tonnerre. Incroyable, il a réussi à tout mettre au tapis. C'est pas possible. J'ai pas dit mon dernier. J'ai même pas commencé le combat. Je vais te faire calmer. Non, il en est hors de question. J'en fais partie des finalistes. Donc il en est hors de question que je me laisse faire abattre. Allez, viens, Woody. Woody, non. Lâche-moi mes pieds. Franklin, cette fois tu dépasses les bornes. Flamme enragée. Quoi? Je t'ai toujours dit que tu es franchement méprisable. Mais Mayona, cette fois tu dépasses les bornes. Moustillon. Franklin, arrête. C'est pas raisonnable ce que tu fais. C'est pas ton genre. Je vais te transformer en figurine. Non, je ne veux pas te faire du mal. La ferme, Franklin. Tu es un minus. Non, je peux pas faire du mal à Chica. C'est la fille que je rêve. La ferme, c'est moi, Franklin. Je suis toujours dans mon corps. C'est moi, l'esprit maléfique. Franklin, reprends esprit. La ferme, sale connasse. Gloria? Gloria? Alors là, cette fois, tu dépasses les bornes. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mario, n'approche pas de lui. Franklin, tu as intérêt à reprendre ton corps. De là, ce que tu as fait à ma petite amie n'est pas pardonnable. Alors, tu veux franchement que je te transforme en figurine? Mario, non! Quoi? Non, c'est pas possible. J'ai réussi à le battre, Mario. Comment ça se fait que je n'ai pas réussi du coup? Ce que tu as fait à Gloria est impardonnable. Tu entends? Bien brûleur.
Pierre Brûlard. Pierre Brûlard. Qu'est-ce que tu fais? Arrête-le. Non. Lâche-moi. Cette fois, ça suffit. Tu veux que je t'arrête ton compte? Flamme croix. Attends une minute. Feu ancestral. Même toi, tu peux pas esquiver cette attaque. Mario, non. Quoi? Moi, je m'en balèque. Si tu n'es même pas capable de résister, je reconnais que cette attaque est puissante. Mais ce que tu as fait à ma petite amie n'est pas discutable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Point ultimate feu. Non, c'est pas possible. Tu peux pas le faire battre par un simple plombier moustachu. J'ai vidé toute mon énergie pour toi, Gloria. Mario, est-ce que ça va? Replan. Non, je peux pas faire du mal. Quoi? Ce sont mes amis. Mario a fait tout ça pour une fille. Ah, je m'en bats d'une fille. Non, je ne peux pas. Je suis un héros. Je peux pas faire du mal à tous les candidats. Va te faire foutre. Non, toi, va te faire foutre. Non, c'est impossible. Non, non, c'est une blague. Dites-moi, c'est une blague. Oh. Chop, chop, chop. Dites-moi, j'ai pas fait de mal. T'en fais pas. Le toit ne n'aurait jamais fait du mal. Si tu t'es fait manipuler par un aura maléfique. Je suis désolé. T'as pas à t'excuser, tu sais. Alors, est-ce que tu es revenu à la normale, Mario? J'aurais jamais cru que quelqu'un serait aussi fort. Merci de m'avoir permis à reprendre mon esprit. Il n'y a pas de quoi. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Vous avez réussi à reprendre l'état normal de Franklin. Mais ce n'est pas encore fini. Ah ouais? Eh ben je vais te régler ton compte. La lumineux. Quoi? Non. Oh, j'ai pas beaucoup d'énergie. Même si je voudrais, je peux pas utiliser feu ancestral. Pas à cause de ce certain double esprit maléfique qui contrôlait mon corps. Et moi, j'ai plus beaucoup de PV. Après ce que tu m'as fait subir. Oh, le combat se passe loin. Entre vous, toi, contre le moi. Et je vous voulais pas de cadeau après ce que vous m'avez fait. Du moment que j'ai cette sceau, je serai imbattable. Oh, j'ai plus beaucoup de PV. Oh, pareil pour moi. Bande de clodins que vous êtes, vous pouvez rien faire du moment que j'ai bout de la barrière. Oh! C'est quoi ça? Ticato! Maxi! Il permet de vous faire régénérer l'énergie! Oh, espèce de sale peste! Je vais te prendre une bout de coup de baffe! Hey, je n'ai pas dit mon compte! Ah, capote! Je vais régler le compte une fois quand j'aurai réglé ces trois gugus! Ah, et Chica! Merci beaucoup! Ouais, super! Notre énergie est au maximum! Ouais!
énergie ou pas énergie, oui, je n'aurai jamais à me battre contre le Gloria, la femme parfaite. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Point de feu. Lame lumineuse. Lance-flamme. Bande d'imbéciles. Vous n'avez toujours pas compris, ma barrière est indestructible. Franklin, est-ce que tu as toujours la capacité de feu ancestral? Même si j'aurais voulu, j'arrive pas. À cause de ce certain Bowser Klein, il m'a fait gaspiller. Ah, c'est pas vrai. On va pas baisser les bras pour autant. On va lui régler son compte à ce hippopotamus. Hé, hey, ta gueule, espèce de plombier moustache de mes deux. Je vais te donner une bonne baffe à ce bande de clotins. Ok. Psycho boost. Éclair quoi? Qu'est-ce que c'est que... Et sans oublier... Haleine puant. Oh, ça pue! Oh. Je n'ai jamais senti une odeur en suppuant! Vous êtes peine perdue! Je baisserai pas les bras! Pieds brûleurs! Bon, luminosphère! Franklin, ok, flamme quoi? Quoi? Même ça? Votre capacité est tellement faible que ça me donne envie de louir. Bon, ok. Save. J'arrive pas à y croire. Gloria arrive à nous faire battre. Et oui. Grâce à cette saut que j'ai pu capturer, grâce à ses bas, Glantlouf ainsi que ce Luigi fut encore plus fort. Ah, 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 ah. Si jamais tu fais encore le moindre mal à Luigi, je t'assure que je te ferai. Tais-toi, tu en as assez dit, parce que t'as plus beaucoup de PV à ce que je vois. Ça, c'est ce que tu crois. Là, j'avoue qu'elle a raison. C'est incroyable! Comment est-ce qu'une hippopotame comme elle pourrait nous faire du mal alors qu'elle n'a pas de cervelle? C'est grâce aux gadgets de Dr. Joss que je les ai volés. Maintenant vous êtes finis! Moi, Gloria, la femme parfaite! Tu n'as pas encore réglé les comptes avec moi! Tu crois vraiment que tu m'intéresses? Panthéon was too pourri. Tu es franchement le méprisable, le plus bête. Alors là, franchement, tu as pas intérêt à voler mon plan. Ça devait être moi qui devrais m'occuper de John, pas toi. Et tu as osé en transformer un Mickey en figurine. Il mérite absolument pas. Et toi, tu n'es qu'une grosse hippopotame de mes deux couilles. Tout va bien. Je vais devoir régler ton compte. Cette fois, tu me laisses pas le choix. Ah ouais? Même si j'aurais voulu, je n'aurais jamais voulu que ce Mickey soit mon partenaire, parce que c'est vraiment un souris pourri qui vaut rien. Cette fois que tu m'insultes, ne passe encore. Mais cette fois-ci, d'insulter Mickey, de souris pourri qui ne vaut rien. Cette fois, tu dépasses les bornes. Qu'est-ce que c'est, cette puissance? Waouh! J'aurais jamais cru que Panthéros aurait été une puissance, alors que c'est le plus nul de toutes. Essaye de m'attaquer si tu peux. Ma barrière ne fera rien. Giga Ultra Laser! Qu'est-ce que... La barrière! Allez-y, vos trois! Occupez de ces crétins! Panthéros! J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais merci! Oh, tais-toi et occupe de ce crétin! Ok. Puisque une luminosphère et une flamme croix ne suffit pas, je vous propose une luminosphère et flamme croix avec ma spécialité. Mais crois-moi,
je vais réussir à la battre en un coup. Laisse-moi ouïr, du moment que j'ai cette médaille, je suis plus forte. Ok, luminosphère. Ouais, flamme croix. Et... l'attaque pied brûleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez vraiment que je vais me faire battre par un simple flamme croix? Coup de pied dans les chattes. Et ça, c'est pour avoir osé faire du mal à ma petite amie. Ça, c'est pour tous les candidats que tu les as maltraités. Ça, c'est de la part de Riri. Et ça, c'est tous les dommages que tu as causés au studio des défis extrêmes. Pied brûleur Giga X-Na Simus Capote. Ah, tu crois vraiment que... Oh, super, on a réussi à la battre. Bon, il est grand temps de faire briser cette sceau une bonne fois pour toutes. Ouais. Mais où est-ce que... Oh, se passe-t-il pour ta douce de merde? Pchant. 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 Encore une fois, tu nous casses encore des couilles. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce qui nous est... Simba. Simba, est-ce que ça va? Franklin. Oh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était vraiment bizarre. Mamma mia. Oh, Mario. Est-ce que ça va? Oh, je suis désolé, Luigi. J'ai pas pu réussir à la battre. T'en fais pas, Mario. Tu resteras un héros pour moi. Oh, merci, Luigi. Oh. Oh, et en plus, tu restes quand même mon fan numéro un. Toi, Gloria, ce que tu as fait est vraiment impardonnable. Et encore une fois, c'est Chop qui a sauvé le coup. Non, c'est grâce à... C'est grâce à Franklin, Mario et moi. On a réussi à le battre en équipe. Ouais. Et franchement, tu m'as franchement épaté, Mario. Pour quelqu'un que je te connais pas vraiment, tu m'as franchement épaté. Merci, Franklin. Ah oh, oui, en effet. Bah, tu... Wow. Et je lui ai réglé son compte en lui disant mon attaque pied brûleur après tout ce qu'elle a fait et surtout ce qu'elle a fait à ma copine. Oh, tu es franchement quelqu'un d'incroyable, Mario. Wow, même en faisant un fan de Nintendo, je dois quand même admettre que tu as franchement beaucoup de potentiel dès la première fois que je t'ai vu. Enfin, en épisode. Et toi, Gloria, tu es franchement la pire des connasses. J'espère que tu iras en prison après tous les crimes que tu as faits. Enfin bref, j'espère honnêtement que tout va bien. Moi, ça va pas bien. Mickey est devenu en figurine. Regarde-le. Il est devenu en figurine. Comment tu fais pour faire un tas de plans machiavéliques? Mickey, je te souhaite de retourner vers la table à match. Qu'est-ce que... What the fuck? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Hein? Potero, tu es... Non, Mickey. Quoi? C'est grâce à lui, pour une fois, il a réussi à détruire la barrière. Quoi? Sérieux? Tu te fiches de moi? Non, il a réussi à détruire la barrière avec son giga ultra laser rose. Ouais! Pour une fois, il m'a franchement épaté, hein. Même venant de quelqu'un de plus méprisable que soi. Parce que c'était pour toi que je l'ai fait, pas pour ces bandes de crétins. Pour moi? Et je t'ai fait réussir à te faire revenir en état normal. Vraiment? Ouais. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais... Bien joué, Porter Rose. Je te donne 2 points en plus pour m'avoir sauvé et pour te rattraper toutes tes conneries que tu as fait.
Mais quant à toi, Gloria, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais t'es encore plus méprisable que j'aurais jamais imaginé. Oh, ta gueule. Bon, bah est-ce que l'un d'entre vous a appelé la police pour la emmener en prison? Quoi? Je refuse d'aller en prison. Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous a appelé la police? Oui, exactement, c'est moi. Gloria a fait un tas de délits. D'abord, elle a détruit le studio dans l'épisode 19 et maintenant, elle est revenue pour foutre la merde. Donc franchement, il faut que tu la emmènes en prison. Non, c'est impossible. Je dois utiliser l'attaque. Non, pas de capacité. Mon très cher Gloria, pour une femme, tu as un tas de délits. Et pour tous les candidats qui se font victimiser comme pas possible. Je suis désolé. Bref, Gloria, toi, tu es franchement une femme la plus méprisable de toutes, donc tu mérites en prison. Non ! Non ! Non ! Bon débarras ! Ouais ! Bon débarras ! Franklin, est-ce que ça va ? Ah, oui, oui, je vais bien, Ishika. Franklin, j'ai eu tellement si peur au départ. N'en rajoute pas, s'il te plaît. Franklin, Tu sais, dès que tu t'es transformé en une sorte de maléfique, j'ai peur que tu ne deviendrais jamais comme avant et que tu fasses des actes tout simplement horribles. Est-ce que tu essaies d'insinuer que tu l'aimes? Attends, Marion! Gloria, Ishika, ne te presse pas. Si tu veux pas être ma petite amie, bah je peux comprendre. Écoute, tu es franchement quelqu'un de génial et je t'aime. Pour de vrai? Oui, je t'aime pour de vrai. Et je t'ai dit que dès que je te connais pas beaucoup, mais j'aimerais te connaître un peu plus. C'est vrai, Ishika? Oui, lors du prochain divin extrême. Ah, franchement, Ishika, moi aussi je t'aime. Et un bouche à bouche? Pas maintenant, mais j'aimerais bien être ta petite amie. Bien joué, Franklin. Ouais, bien joué. Non, mais je de la merde. Pour une fois, j'avais une portée rose. Et du coup, et pour la finale, tout n'est pas annulé. Et une fois tous les candidats venus, on va préparer la finale. La plupart des candidats arrivent. Ah, que tout le monde se prépare. La finale, enfin, le moment est venu pour savoir qui sera le vainqueur. Eh oui, le dernier épisode du studio d'IDV Extreme va bientôt s'achever. Mais avant, j'aimerais me poser une question. Qu'est-ce qu'ils font, Mario Luigi? En fait, ils sont venus pour donner la récompense au vainqueur d'IDV Extreme. Oui, même si bon, on sait même pas quel genre de récompense ça sera. Ouais, mamma mia. Mais on est tous les stars. Ouais, on est tous les stars. J'affirme ce qu'il dit! Bon, je sais pas si c'est vraiment autorisé, mais j'aimerais en parler avec Jenny, mais... Enfin bref, si c'est pour... Quand je trouve que tu es le président du Contre-Choc Show, j'accepte. En espérant que Jenny soit quand même d'accord. Genre, je vais en discuter avec Jenny après tout ça. Bref, tout cela pour dire qu'on a déjà 23 candidats qui ont été éliminés. Et trois candidats qui sont dans la trio des finalistes, et un d'entre vous aura la récompense. Pour cela, je tiens quand même à vous prévenir que ça va être un peu serré. Mais enfin bref, le candidat qui n'aura pas la récompense sera Woody. Wouah ! Il n'a pas vraiment de vote, pour être tout à fait honnête, donc je suis désolé. Mais en tout cas, t'as franchement fait une belle parcours, et je te félicite beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Donc ouais, Woody, tu es malheureusement éliminé, donc tu peux rejoindre les autres. Waouh, waouh. Désolé, Woody. Tu vas poser autre chose une autre fois. Pleure pas, espèce de pleurnichard. Ok. Enfin bref, maintenant il ne reste plus qu'entre Gloria et Ren. Oh, Gloria, vas-y. Vas-y, Ren, tu peux le faire. Vas-y, ouais. Vas-y, Gloria, vas-y. Moi, je suis pour personne, de toute façon. Ça aurait pu être moi qui aurais pu gagner l'émission. Moi, je suis pour Gloria, parce que c'est ma petite amie. Vas-y, Ren. Bref, le moment est enfin venu.
le gagnant de Défi Extrême est... Rennes. Oui. Ouais. Oh, dommage. Super. Non, mon hamburger. M'en fous. Oh, c'est pas vrai. Non, oh, tu as perdu. Oh, je suis désolé, Gloria. Mais j'espère que ça t'a pas pris mal. Honnêtement, Mario, je suis quand même contente que tu sois venue. Et aussi le fait que j'étais allée aussi loin. Je peux tout à fait comprendre, Gloria. Attends, je suis le gagnant de Défi Extrême, le studio des Défi Extrême. Wouhou! Ouais, rock'n'roll. Bravo Red. Franchement, tu m'as épaté. Ouais. Tu m'as franchement épaté pour un gars qui a participé à l'émission pour la première fois. Ouais, merci beaucoup les gars. Ren, je suis très fier de toi. Tu as prouvé à quel point tu peux être sympa. Mais des fois, malgré ton caractère, tu peux être franchement combatif. Bravo Ren. Bravo mon Ren. Bravo Ren. Et donc, pour votre récompense, j'aimerais bien enfiler avec Mario et Luigi. Oh. Bon. Ren, félicitations d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. Et pour ta récompense, voici le monnaie un nombre de 24 millions d'euros. Quoi? 24 millions d'euros? Ah, franchement, c'est pas du tout pour des prunes. Ouais, c'est super. 24 millions d'euros. Vous savez quoi? Je vais faire exactement ce que Red m'avait dit. J'aurais aimé avoir un paquet en cadeau pour les offrir. Mais au final, à la place, ça sera 1 million par personne. Sauf à Mickey et à Panthère Rose. T'es franchement un gros con, Ren. M'en fous. Parce que tu as été banni. Et en plus, t'es vraiment un souripouille. Ta gueule. De toute façon, j'ai plus rien à faire ici. Je m'en vais. Ouais. Franchement, merci, Ren. Merci d'avoir pensé à moi. Ah, oh, franchement, 1 million d'euros. Oh, super. 1 million d'euros. Oh, super. Avec 7 millions, je pourrais construire le château. Avec mes amis et avec Gloria, si tu veux. Oh, Mario, tu ferais ça? Oui. Oh, merci. Oh, franchement, Ren, tu as exactement la même idée que j'avais en tête, en fait. Et c'est pour cela que je t'ai donné aussi 1 million. Parce que le fait que tu t'es fait maltraiter par Gloria, ça a franchement atteint le choc. Et toi aussi, Simba, je te donne 1 million d'euros. Merci, Ren. Merci beaucoup. Ah, on a encore 1 million d'euros. Super. Ah, franchement, ça nous gâte. Trop gâte. Je peux en faire un tas de trucs avec 2 millions. Qu'on n'a pas encore dépensé. Ah bon? Ouais. On va juste réfléchir à cela. Et c'est pour cela que c'est la fin du studio des Défi Extrême. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Quoi? Oh! Parce que il y a une autre Défi Extrême, comme vous le savez. Et avant que vous quittiez l'un d'entre vous, j'aimerais bien vous inclure le fait que 4 personnages de Lee des héros seront dans la série. Et je vais y révéler maintenant. C'est un certain Grand Schtroumpf, Franklin, Simba et Petit Phoque. Quoi? Petit Phoque? Ouais. Super! Notre prochain Défi Extrême sera avec Petit Phoque. Ah, je suis trop content. Pareil pour moi. Et aussi, autre part, j'aimerais bien faire venir à tous les candidats qui ont participé à l'émission. Seulement, je cite, à tous les candidats si nécessaire. Alors, Bayona. Quoi? Oh, super! On sera dans la même émission. On pourra faire équipe. Ouais! Mais cette fois-ci, je ferai pas la même erreur. Ren! Oh, super! Mario! Oui? Non, notre Mario! Oh, mamma mia! Gloria! Ah, on pourra reparticiper à la même émission! Encore? Oui, c'est super! Ensuite, Wistikram! Ouais, super! Chup, Boustillon,
et Panthée Rose. C'est obligé. Qu'est-ce que... Je peux pas participer à l'émission alors. Ishika, c'est pas juste. Moi qui pensais que je commençais à peine à te connaître et que je commençais à peine à sortir ensemble. Ishika, je suis vraiment désolé. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Quoi? Ça veut dire que... Woody ne peut pas venir à l'émission? Oh, c'est pas vrai. C'est franchement... Il n'y aurait pas un autre arrangement? Désolé. Je ne participe pas à cette défi extrême. Quoi? Chub, pourquoi tu dis ça? Je donne l'invitation à Woody. Quoi? Quoi? Chub, tu gâches cette chance. Pourquoi tu... C'est pas la peine, Woody Crab. J'ai déjà participé à plusieurs émissions, et j'ai déjà été déjà deux fois au final, et j'étais même allé aussi loin dans le dernier défi extrême. Donc, je changerai pas d'avis. Je n'irai pas au défi extrême. Je donne l'invitation à Woody. Ouah ! Merci beaucoup, Chap. C'est ton dernier mot ? Sûr et certain. Ok. Bon, Woody, Chap, t'as donné l'invitation pour que tu participes à un autre défi extrême. Ouah ! Oh, merci ! Oh, super ! Chap, tu en es sûr de toi ? Oui. Ça fait un plaisir de te reconnaître, Franklin. Mais je dois quand même penser aux autres. J'ai déjà participé à beaucoup de défis extrêmes. Donc, je crois que je ferai cette pause pour cette fois. Oh, franchement, Chop, tu es franchement une bien meilleure personne. Chop, merci. Moi aussi, je participe pas aux défis extrêmes. Quoi? Ouais. Je préfère donner l'invitation à Ishika. Hein? Ouais. Parce que de base, je veux humilier Chop. Mais s'il participe pas à cette défi extrême, je préfère honnêtement donner l'invitation à Ishika. Et puis de toute façon, c'est pas fait pour moi. Je suis déjà plus... Tant que Chop n'est pas là, je participe pas. Tu en es sûr de toi? Panthée Rose? Oh, tais-toi, Franklin. Tu diras tout ce que tu voudras. Mais je ne participerai pas tant que Chop ne participe pas. Tant que... Ishika, tu peux faire ton mumuse dans une autre défi extrême. Moi, je vais pas participer. Wow. Ishika, grâce à Panthée Rose, tu peux participer à l'émission. Super. Super. Je suis tellement contente. Moi aussi. Désolée, c'était... Wow. Direct. Eh ouais. Voici tous les candidats qui vont participer à défi extrême. Mais il y en aura d'autres qui n'ont pas encore été dévoilés. Alors, vous allez dire qui sera le vainqueur de défi extrême, du prochain défi extrême, et quel genre de défi extrême ça sera. On se retrouve pour une prochaine saison troisième saison de... Enfin, non. Ce n'est pas la troisième saison. Je le sais. Et c'est quoi comme genre de défi extrême? Eh bien, le prochain défi extrême sera... La caverne des défis... Extrême. Waouh. Alors là, franchement, ça a l'air d'être prometteur. Alors ça voudrait dire que je peux pas participer? Et moi alors? Tu m'as oublié, hein? Tu m'as oublié, avoue-le. Bon. C'est tout pour aujourd'hui. Et... Portez-vous bien. Et j'espère que ce défi extrême vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine émission qui s'intitulera La caverne des défis extrêmes. Bon, maintenant, crédit! Défi extrême, c'est dément. Défi extrême, c'est super. Défi extrême, oh yeah. Défi extrême, c'est génial. Mickey, Patrick, Stan, Corentin, Océane, Panthée Rose, Tamama, Tutti, Emily, Olimar, Simba, Tails,
Mario, Obélix, Ishika, Franklin, défi extrême, c'est vraiment défi extrême, c'est super défi extrême, oh yeah, défi extrême, c'est génial. Joe, Chup, Milako, Loulou, Moustillon, Wistikram, Kimberly, Woody, Gloria, Ren, Mayona, Cranchetou, Gloria, Lee, Po, Petit Fog, T'es Tarte, T, Plouf, T'es Fille Extrême, T'es Fille Extrême, Lixie, Jenny, Casimir, Doug Dodgers, Gumball, Whisper, Stitch, Mimiki, Bomb, Badibou, Flamiabot, Goudakin, Shrek Chevalier, Scooby-Doo, Otakin. Les défis, il n'y a que ça de vrai. Il est clair qu'il n'y a rien de mieux, il paraît. Les candidats, ici, ils sont là. C'est surtout pour une chose, c'est pour gagner. Défis extrêmes, défis extrêmes, défis extrêmes, c'est super. Renous, Flambino, Lapidex, Noctali, Mentali, Gros Ours, Jake, Dinosaure Violet, Polarume, Melman, Pikachu, Pichu, Morpico, Luigi, Spidermoonie, Brindibou, Oh, Bulbizarre, et enfin, Titours! Pourquoi je suis en prison? Je suis la femme parfaite pourtant. Oh tiens, salut, tu dois être un certain Hippopotamus. Toi ta gueule. Oh, mais vous pouvez pas tous fermer vos gueules. Allez, je suis en train de dormir. J'ai pas couillé moi. Oh, le Badibou est vraiment bien animé, tu sais. Non. Allez, je veux comme ça d'ici, allez. Ça faisait déjà des semaines que je reste dans cette prison. Et moi j'en ai ras le cul. Sans commentaire.